Puis tiens, pour commencer, j'invite tous ceux qui débutent en roller, tous ceux qui trouvent ça dangereux, vous voyez, ceux qui ont peur d'avoir les genoux qui plient plus dans le bon sens dès qu'on les met sur des roulettes. Eh ben oui, vous, je vous invite à regarder attentivement les cadors du street roller. Ils ont choisi le stade Louis Dugoguez à Sedan comme terrain de jeu, et là où vous vous accrocheriez à la rampe, eux, ils la fument. Alors attention, ça part dans tous les sens et ça va très 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 vite. Jason Gonzalez, 22 ans, 9 ans de roller, champion de France sauf figure. Romain, 25 ans, slalom vitesse, champion d'Europe 2003. Loïc Charlier, 9 ans de roller, vice-champion de France de street. Non, j'y arriverai pas. Quand on voit ça, c'est super raide et ça fait trop peur. Bah, je me dis que je vais le tuer le rail, donc voilà. Moi, c'est ça que je me dis, il faut que je fume. Et ça rentre. Des fois, ouais, ou des fois je tombe comme tout à l'heure, je me suis fait un peu mal aux côtes. Et puis ça va aussi, moi. Alors, vous trouvez ça comment? Difficile? Oui, bah, je vous conseille de vous entraîner une paire d'années avant de vous lancer dans le slalom, la rampe ou le high jump. Surtout si vous voulez passer au-dessus des voitures de France 3. Hein. On vous laissera sûrement pas faire comme ça. Bon, allez.